Ah, Sarah, communiquer avec le bébé qui se développe à l'intérieur de ton corps, c'est une question que tu te poses au début de la grossesse. Mais au fur et à mesure que bébé va grandir, tu vas sentir instinctivement ce qu'il faut faire pour entrer en contact avec lui. Même à une époque où on ne reconnaissait aucune faculté au bébé, les mamans chantonnaient pour lui, caressaient leur ventre, et heureusement, car c'est d'une extrême importance pour son développement sensoriel. Ce qui est merveilleux, c'est que dès 5 mois, tous les sens de ton bébé fonctionnent. Ce développement sensoriel ne fera que se renforcer au fil des semaines. Savoir que son bébé est capable de percevoir son environnement est un formidable encouragement à communiquer avec lui, non? Ton bébé entend les voix, différencie les intonations, les sons. Il perçoit tes mouvements, le contact de tes mains sur ton ventre. Même les émotions que tu peux ressentir s'inscrivent dans sa mémoire inconsciente et à sa naissance, il est déjà porteur de tout cela. Il paraît d'ailleurs qu'il perçoit mieux les sons graves et qu'il les préfère car ils sont source d'apaisement et de sécurité pour lui. C'est pour ça qu'il est important de prendre l'habitude de lui parler régulièrement. Pour communiquer avec ton bébé, tu n'as pas besoin de prendre de cours. Poser les mains sur ton ventre, parler d'une voix douce ou enjouée avec ton bébé. Le masser, jouer avec lui lorsqu'il s'agite, attraper un pied ou un coude qui vient de se balader en surface sur ton ventre. Chantonner doucement ou à tue-tête, selon ton humeur, ce sont des manifestations de vie et de tendresse pour lui. Elles participent d'une communication active entre vous. Les 9 mois de grossesse ne servent pas uniquement à faire grossir un bébé, mais bel et bien à prendre le temps de se connaître, d'aller l'un vers l'autre, même si l'un est en l'autre. Depuis plusieurs années, de nombreuses autres techniques sont venues compléter cette communication intuitive, je dirais. Il y a l'haptonomie, cette science du toucher et des caresses, développera ce que beaucoup font instinctivement. Idem pour le chant prénatal, étudié de façon plus régulière que la comptine fredonnée de temps à autre. Tu as aussi la musicothérapie. Ton bébé perçoit très tôt les ondes musicales avant même que son système auditif soit développé, surtout les sons graves comme la contrebasse. Je pense personnellement qu'il ne faut pas se cantonner à l'un ou l'autre. Elles forment un tout. Bien sûr, si tu adores chanter, tu pourras t'inscrire à un cours de chant prénatal, mais n'omets pas les caresses pour autant et vice-versa. Moi, avant la venue de bébé, j'avais acheté une peluche musicale. J'avais l'habitude de l'actionner tous les soirs avant de m'endormir. Je la posais sur mon ventre. Le jour de l'accouchement aussi. Comme ça m'a permis de parler à mon bébé, de lui expliquer que voilà, le jour était enfin arrivé et qu'on allait faire connaissance. Depuis, c'est devenu un petit rituel. J'ai l'habitude de l'actionner, aussi bien quand il est malade ou alors pour le rassurer ou quand il a peur. Tu vois, Sarah, les principaux moyens de communication passent par la voix, le chant, le toucher, mais aussi le goût du liquide amniotique, et c'est en les harmonisant tous que tu arriveras sans souci à bien communiquer avec ton bébé. Laisse une belle part à ton instinct et essaie quelques séances de chaque pour te faire une idée. Alors appelle-moi pour me donner tes impressions. Je t'embrasse, Sarah.